Nouvelle vidéo Clash Royale. Alors attendez. Clash Royale, donc hein, on n'est pas là pour un pack. Alors oh, non, 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 ça va pas le faire si on a déjà pas de vie. On se retrouve tout simplement pour le nouveau défi. Faire des couronnes parce que là on a plein de coffres de clans et je peux vous dire que c'est plutôt pas trop mal parti, je pense. Alors attendez, je vais juste faire un truc sur mon petit compte. Alors attends, là, de l'autre côté, hop. Donc là voilà, on va pouvoir faire le défi sur Horizon. Alors attendez, je vais me déconnecter quand même des comptes. Il y a un autre compte là, hop, voilà. Hop, comme ça, voilà. Le wifi ne gênera pas. Ouh. Ok, donc là on se retrouve pour, comme vous avez pu le voir, un défi de la guérison. Perso, hein, personnellement, je ne pense pas que ce soit une superbe carte. Plutôt de pourri, on va dire. Hein. Mais ça, c'est mon avis personnel. Donc, on va voir ce que ça donne. 62 gemmes, de toute façon. Moi, je n'achète pas de coffre légendaire. On va voir ce que ça donne, les gens. Donc, 4 victoires, 2500 d'or, 6 victoires, 10 sorts de guérison, 8 victoires, coffre géant et 25 000 d'or. Ça, j'aimerais bien les avoir. Et enfin, 100 sorts de guérison à 12 victoires. Et les gars, boum, c'est parti. Alors, on va peut-être se faire des games avec le sort de guérison sur ce compte-là, je m'en tape. Alors, je parle très très vite, hein, parce que. Voilà, TDE, hein, je pense que TDE, ça vaut plus le coup. Du géant, je pense que ça veut le faire, géant TDE. De la sorcière, je vais donner la tour à bombe, donc ça ne serait illogique, mais bon, c'est pas grave. Parce que le bébé dragon est quand même une très bonne carte. Le gobelin sarbacane, non, les gargouilles. Gargouille, je pense que c'est peut-être mieux. Donc, il a le sort de guérison, ou il nous l'a donné peut-être. Donc bonne chance, nous jouons contre Green Blade. Oh, il m'a donné le sort de guérison. La poisse, il m'a donné le sort de guérison. Ça a l'air pourri. On va voir ce que ça donne, mais je ne suis pas très très. Oh, le bûcheron. Ouh, on peut. Oh non. Tant pis, hein. Désolé, mais là, je peux pas. Ah, peut-être jouer là. Hein. Il a peut-être le zap. Ah non, il le joue pas. Est-ce qu'on jouerait pas un petit bûcheron? Non. Parce que du coup, il m'a un peu raté. Alors, je pense que si je joue bûcheron, sort de guérison. Ça peut peut-être faire quelque chose. Ouais, il est pas énorme au niveau le sort des guérisons. Alors on va balancer un géant. Voilà, un petit géant. Je pense qu'on va tester ce sort de guérison. De toute façon, on est là pour tester les gens. On est là. Une petite tour à bombe qui va bien nous faire suer, je pense. Oui, attendez. Alors attendez, peut-être que j'ai une solution. Voilà. La tour à bombe, je pense qu'on va essayer de la maîtrise. Voilà, avec les gargouilles. Je pense que je me suis raté, mais bon, on va prendre le risque. Clac. Là, hop, au pire, c'est pas très très grave si les barbares d'élite nous mettent énormément de dégâts, parce que au pire, j'ai le bûcheron. Et là, on va pouvoir bûcheron, du coup. Et là, voilà. Là, je pense que ça va faire un minimum de... D'accord. Ok, non respect. Je voudrais pas dire, ça a quand même fait du dégât, hein, voilà. S'il joue anarchique, on est très très mal, mais je pense pas qu'il en ait un. Oh, la Valkyrie... Ouf, ok. Donc l'archi je peux le gérer, donc ça on l'a bien vu. Donc faut que je teste ce sort de guérison hein, pour voir ce que ça donne. Alors attention à ces barbares d'élite. La petite TDE comme ça. Qu'est-ce qu'il va me jouer? Alors ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il balance un Arkix. Enfin, il fait la même chose que tout à l'heure en fait. Du coup, c'est un peu bizarre. On verra bien. Alors là, je balance un géant parce que comme la TDE est en vie. Si jamais il va avoir des vite. Ah, dommage que la T2 elle puisse pas shooter ça là. Ça m'aurait aidé, hein, on va pas se mentir. Petit gobelin à lance. On va lancer un petit bûcheron. Là, on va balancer des gargouilles. On va tester ce sort. Hein. Allez, sort de guérison. Qu'est-ce que ça fait? J'en sais rien, mais c'est pas grave. Je ne sais absolument pas ce que ça fait. Ça a l'air tout pourrave en fait. Alors peut-être que je le joue pas bien, mais je vous avoue que je ne sais même pas comment ça se joue. Pour vous dire. Ah, le bûcheron, si je peux peut-être placer un bûcheron. Et pourquoi? Oh, la tour à bombe. Oh, oui, my God. Oh, le bûcheron. Ouais. C'est pas folichon, tout ça. Hein. 900 points de vie et on n'a rien pour dégommer. Alors, lui, en face, hein, il a l'air un peu en PLS, je pense. Allez, les gobelins à lance. Oh, le truc pourra. Oh! Oh! Oh, le cheat! Mon gars, vous avez vu les gobelins à lance? Vous êtes... Non! Oh l'erreur, j'étais en train de parler, j'ai oublié qu'il y avait l'Arkix. Oh crotte. Mais est-ce que vous avez vu les gobelins à lance? Oh le cheat, mon gars! Gobelins à lance? Oh mais oui, monsieur. Oh! Est-ce que vous avez vu le cheat comme moi? Des gobelins à lance, mon gars!
Pouh, les gobelins à lance. Moi, je dis oui, les gobelins à lance. Ouais, mais là, il y a ça, du coup. Si le bûcheron, il pouvait finir la tour, ça serait plutôt pas mal. Enfin, pour nous, surtout. Oh non, je crois que j'ai pas l'Arc-X. Du coup, on va mettre un géant au cas où. Il aura pas le temps de tuer le gobelin sans récane. Et ça va me relou. Et là, on va tester le gobelin à lance. Ah, oh, mon gars, c'est énorme. Regardez, regardez, regardez. Les gobelins à lance. Et là, le guérison. Oh non, dommage. Ouh, ouais, on est mort. On est mort, malheureusement, mais bon. Ce bug. Enfin, je sais pas, sinon, je pense pas que c'est un bug, c'est plus un cheat. Des gobelins à lance sort de guérison, les gens. C'est juste énorme. Je sais pas si vous l'avez vu comme moi, j'espère en tout cas. Mais c'est juste énormissime, le bug. Enfin, je pense pas que ce soit un bug, hein. C'est dans ce projet, j'ai un bug. Les gobelins à lance, le travail des gobelins à lance, c'est juste énorme. Donc, je pense qu'on fera gobelins à lance, vie. Et alors là, voilà, là, je pense qu'il va balancer ses. Le bûcheron, vite, vite. Oh, le bûcheron qui passe. Il va me saouler, lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, là, en fait, on est grave dans la PLS, là. Ouais, là, c'est mort. Tant pis, on est mort, mais bon, hein. Ça va être très très chaud cette game là, je sens. TDE, gobelin à lance, archer. Non! Bon, on va mourir, hein, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est juste une game, on va se dire comme ça, hein. Tant pis. Ah, bien joué. Oh là là, faut que je teste ce cheat gobelin à lance, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, la game qui a duré un peu longtemps, donc. Mais ce cheat de gobelin à lance. Franchement, il est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bon, on perd, hein, ça c'est un peu dommage, on va se dire comme ça. Ok, il n'y a personne qui joue. D'accord. TDE, enfin, la T2 c'est bien, franchement, c'est saoulant quoi. Bombarder mineur. Alors là, si je lui laisse le mineur, en fait, c'est ce qui va me faire un mineur poison. En espérant qu'il n'ait pas le sorcier électrique, parce que s'il a le sorcier électrique, je le tue. Alors là, on lui a laissé que des sorts, mais je pense que je vais prendre cette boule de feu, en espérant qu'il m'ait donné un zap, parce que la bûche est très très bien. Mais là, genre, je voulais pas lui laisser la boule de feu, bonne chance. On va voir ce qu'il donne. Golem de glace, mousquetaire. Ouais, ça va être un gros deck de grattage là, en fait. Alors, ah, ça peut faire peut-être guérison archer. Ouais, non, j'ai pas le sort de guérison. Bon, alors, on va voir ce que ça donne. Alors, mousquetaire. Alors là, on n'a pas de tank en fait, si je vois bien. On a le dragon de l'enfer, mais c'est pas énorme. Oh non. Non, non, non. Oh, le bombardier qui gâche tout. Espèce de bombardier là. On va gratter au mineur. Je pense que ça peut faire mal. Ok, ça a rien fait du tout. Allez, prends ça. Alors là, si on pouvait avoir 9 élixirs, ça serait génial. Parce que je pourrais mettre Dragon de l'Enfer, Golem de Glace peut-être. Ouh là 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 là, ça va être chaud. Oh, le sort de guérison. Mais what? Oh. Merci, hein. Donc déjà, il peut pas défendre ça. Il a pas l'air d'avoir énorme en troupes aériennes. Qu'est-ce qu'il va me jouer, là? Ah, le bébé dragon. Ok, il a pas d'aérien, les gens. Ça va être parfait pour nous, ça, je pense. Voilà, le mineur qui a bien gratté comme il faut. Donc je pense que si on joue bien dragon de l'enfer, on peut lui faire mal. Alors, qu'est-ce qu'il a en aérien? Il a le bébé dragon. Il a rien d'autre, hein. Du coup, je vais tenter. Allez, on tente. Soyons faux. Soyons fous. Sorcier de glace. D'accord, allez. Oh non, si j'avais la BDF là. Oh, j'aurais peut-être mettre une petite BDF. Petite BDF, non, bien méchante. Oh, le raté. Le gros raté de la game, encore une fois. Je suis un pro, moi, là-dedans. Pour ceux qui savent pas. Des ratés en pleine game, je suis un pro. Donc, je pense qu'on va gagner cette game. Hein. Je n'assure rien, bien sûr. Hein. Hop, allez, mineur visite. Un face avant le PK. Ok. Alors, ma TDE, mon gars, comment je vais t'exploser avec ma petite TDE? On prend 600 points d'avance, ce qui est plutôt pas généreux, entre guillemets. Hein. Allez, hop, on va tenter le dragon de l'enfer. Va mettre
Le sorcier de glace, enfin les archers plutôt. La boule de feu. Ok, qui a fait son taf. Enfin, elle a fait ce qu'il devait faire, voilà, parfait. Et là, regardez son push qui n'a absolument rien fait sur moi. Allez, on met le golem de glace. Ah, elle passe pas. Ok, là, c'est fini pour lui, hein, malheureusement. Désolé pour toi. Je suis pas fait exprès. C'est la vie. On va chercher la couronne. Allez! Allez, dépêche! Dépêche, sorcier! Enfin, oh oui, le 3 couronnes, magnifique. Merci beaucoup. Ah, il joue quand même. Une victoire, c'est super. Donc, les gars, je pense qu'on va faire quoi? Enfin, je vais faire 3 peut-être vidéos là-dessus. Mais je ferai pas avec tous mes comptes, hein, je ferai 3 vidéos là-dessus. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Essayer d'avoir le coffre à couronne, on a combien? 5. De toute façon, je le ferai en plusieurs vidéos. Il y aura peut-être, je sais pas, où une vidéo. Foudre. Moi, j'aime bien le foudre. Gang de gobelins, mousquetaires. Gang de gobelins, je pense. On a Arc-X foudre quand même, hein. Bon, soyons fous, hein, la Arc-X. Ah ouais, non, j'aurais peut-être pas dû. Et là, on va peut-être mettre un golem de glace. Allez. On va tenter un deck Arc-X. Par contre, là, on lui a donné un très très bon deck en espérant qu'il n'ait pas le golem. Parce que là, s'il a le golem, on est très très mal. On n'a pas l'air de. Oh, le petit chevalier pour l'Arc-X, ça c'est parfait. Donc, mon gars, on va lui envoyer. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur. On n'a pas la bûche, ce qui est parfaitement génialissime. Donc déjà, allez, hein. Enfin, ta bouche. Prends ça. Hein, c'est ce que j'ai envie de te dire. Parce que là, il a ballon. Allez, on va tenter une contre-attaque. On a le fût à gobelin. Oh oui, les petits dégâts magnifiques. Alors, la tombstone. Alors, lui, ça a l'air d'être un mec qui ne sait pas jouer, hein, on va se le dire, parce que mettre une tombstone comme ça, je ne connais pas. Et je suis pourtant, je ne. Ouh, la petite princesse, bien joué. Ok. Je connais pas, je connaissais pas cette méthode. La tombstone dans le coin, je connaissais pas. Ah ouais, d'accord. Oh ouais, lui, il est chaud. Alors, qu'est-ce qu'il va m'envoyer un ballon, c'est ça? Alors par contre, ouais, du coup, c'est un peu saoulant qu'il ait le ballon, parce que du coup, il va, à mon avis, il va me défoncer mon Arc-X. Alors, sorcier. En fait, ce mec, c'est une brêle. C'est pas joué, c'est pas possible. Là, s'il m'envoie son ballon, mais il est nul. Ah non. Non! C'est même pas ce que je voulais faire, en plus, je vous le jure. Ni ma mère, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais mettre un chevalier pour défoncer le sorcier. Ma conscience a eu raison. Voilà, bien joué d'avoir utilisé ta bûche. On voit que t'es intelligent. Voilà, ça c'est fait. Bon, hein, la game, je dis pas qu'elle est perdue, hein, parce que là, vu le niveau en face, c'est pas énorme, hein, on va pas se mentir, hein, là non plus. C'est pas la folie, hein. Ah, bien joué ça. Ok, j'ai utilisé mes archers. Faut dire que je suis pas énorme, hein, là-dessus, là, j'ai raté. Envoie ta bûche. Ah, dommage. Envoie, allez, envoie ta bûche. Envoie ta bûche. Allez, allez, voilà, ça c'est fini au foudre, à mon avis, j'espère. What? C'est quoi ça? Mais ce mec, il est pire que tout. Hein. Déjà, il sait pas jouer. Et en plus, il fait n'importe quoi. Non, mais puis quoi? Ouh, le petit fréchotte de la mousquetaire. Allez, on, là, la tour là-bas, je pense qu'elle est finie, hein, donc on va pas. Et là, regardez comment on va finir cette tour, les gens. À l'Arc-X, qu'on lui a caché depuis le début. Surtout pas oublier. Chevalier. Allez, l'Arc-X qui défonce la princesse. Hop. L'Arc-X qui va défoncer le sorcier. Dégage avec ta tombstone. Bon, ça va, il sait pas trop mal le gérer. Hein. Voilà, et là, l'Arc-X. Là, on va aller chercher. Ah, tant pis. Bon, c'est pas grave, hein. Mais on a gagné. Victoire, victoire, victoire. En tout cas, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Il y aura une partie 2, voire une partie 3, ça dépend là où on va. Et moi, je vous dis salut pour une prochaine vidéo. Oh, les pas mal les points. Hein.